bonjour, je suis Eric Buis du Minecraft Stone Block 2. Là, je m'enligne pour faire la grosse patente. Le Crimson Rites. Je sais pas si je vais réussir. Là, il y a plusieurs problèmes à résoudre. Le premier, que je viens de résoudre off-camera, ça va être... ça a été de monter ça à 14 piédestaux. Donc là, c'est symétrique. Il y a 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, il y a juste 4. Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a 16. Ça, c'est pas 14, c'est 16. Il y a 16 piédestaux maintenant. Il y en avait 9 avant. Je suis rendu ça. Après ça, il y a des ingrédients. Donc, les buckets of liquid dead, je les ai obtenus l'autre fois. C'était facile, c'était juste une transmutation. C'est quand même relativement coûteux, là, comme en essentia. Ça prend du mortus, ça prend du perditio puis du alchimia. J'ai rassemblé ça, j'en ai fait 4, j'en ai fait 6 même. Pas de MC, fait que ça, il faut les avoir de prête. Scribbling tool, ça j'en avais déjà un, je l'ai expliqué par MC. Mundane ring, c'est facile, c'est du alchemical nugget. Brasp, celui que là j'ai les copiés, puis j'en ai tant que je veux. Ça aussi, j'en ai tant que je veux qui les MC. Void metal, j'en ai plein maintenant. Les vies amulettes, j'en avais fait une. J'ai pu la dupliquer par MC. Donc, solide, le Tomonicon, EMC. Donc, solide, c'est fait. Essentia, il y en a beaucoup. C'est genre, ça pas mal. Puis il y en a. Je pense que c'est 100 messieurs de chaque, mais il y en a quand même pas mal. Il semble y avoir les. Oh mon dieu, il y en a plus que je pensais. Ah ça, il y a des éléments. Genre Aqua, Perdito, Ordo, il y a du Aram, il y a du Ignis, il y a du. Aqua, Perdito, AR, Ignis, Ordo, Terra. Il y a du Precancio, je pense que c'est du Fabrico, du Instrumentum, je pense là. Et tabarouette, il y en a une méchante trollée là. Oh, j'espère juste qu'il y en a suffisamment là-dedans. Ouais, c'est ce que je commence à craindre, c'est que peut-être falloir que je mette le GUI scale normal temporairement juste pour vérifier qu'il n'y en a pas plus encore que je connais pas là. Il y en a en tabarouette. Oh, ouais, c'est il faut que j'accumule ces essentiels là. Va falloir aussi augmenter encore la stabilité de la patente parce que là si je laisse ça comme ça. Ça peut arriver que ça marche. Oui, c'est chanceux, puis... Ah! Mais il faut quand même drainer 128 essentiels d'un paquet de type. Puis 64 d'un paquet de type. Je soupçonne qu'une infusion va durer longtemps. C'est peut-être... Peut-être 5 minutes, peut-être plus. Là. Fait que c'est sûr qu'il peut y avoir de la matrice runique qui peut se déstabiliser. Même si peu importe que ça soit négligeable. Là. Fait que là, il va falloir augmenter encore la stabilité. Ça, c'est là-dessus que je vais travailler. Ça prend une autre affaire. Là. Ça prend, première chose, des inlay. Je vais voir c'est quoi que ça prend. Là, j'ai débarré pas mal tout là-dedans. Là. Ça, il irait juste à créer ce livre-là. C'est un Arcane Infusion, ça. Ah, c'est ici. C'est le Infusion Stabilization. Donc, on doit obtenir un stabilizer. Ça, c'est relativement facile. On en fait un, puis on a l'infini. Ça va prendre des inlay en partant. Oh, ça prend un complexe arcane mécanisme. Inlay, c'est facile. C'est restone puis de l'or. Pour ça, on duplique. On peut déjà le faire, ça. Ben oui, ça va être fait. Il faut me chercher. Ouais, je vais me les fouiller là-dedans, à la place. Comment ça a du stock là-dedans? Redstone, gold, ingot. Ça ensemble. On va combiner ça sur la table de crafting magique ici. Une seule fois. Ben, ça donne rien d'en faire plein. Mets ça là-dedans. Et voilà! Ah, le 12. Et voilà, 64. Après ça, il faut faire le stabilizer. On va en faire plusieurs. Alors, ça prend 250 vis par stabilisateur. Ça prend des arcane stone slab.
Ça prend des Arcane Stone ordinaires, ça prend un Complex Mechanism, V-Resonator, que ça prend pas mal de patentes. Je pense que je vais juste le faire sans l'enregistrer, là, parce que ça va être long, là, mais c'est ça, il faut le faire, mais ça va se reposer vers MC après. Ah, je viens de réussir à l'avoir. Stabilizer. Ah. Donc on va scanner. Je vais en faire plusieurs. Je vais en mettre 4. Donc qu'est-ce que ça fait cette affaire-là? C'est que ça va stabiliser les... ça va protéger les piédestaux, en fait. Ça fait que ce qu'on peut faire, c'est peut-être remplacer certaines... certaines bougies par ça. Je sais pas si en touchant le piédestal, ça le protège. Je pense que non. Hein. Ah oui, oui, oui. Là, je viens de booster la. Comme ça fait pas de flux. Comme ça peut faire. Moi, ça fait du flux, mais comme ça fait pas de crevasse, je peux me permettre de booster à patente. Là, j'ai mis des auxiliary slurry pump à la place. Fait que là, sur la même fournaise, j'ai 3 alambics. Chacun avec leur feeling Essentia Transfuser. Puis je fais sortir 3 sortes d'Essentia en même temps de là plutôt que juste une. C'est pas hyper tellement plus vite, là, mais ça le fait. Fait que là, je vais essayer de récupérer l'instrumentum. Là, j'ai tout rempli ici, là, les jars primaires. Là. Les 6 premières sont pleines. J'ai. Ouais, le perdito, je viens de le faire, c'est ça. Le Alienis est plein, j'ai besoin d'Alienis. Celle de Oram est rendue pleine. Puis là, j'ai aussi. C'est ça, là, je t'en refais. Precancio, je l'avais déjà. Et ça, je t'en ai toutes les vérifier, là, m'assurer qu'ils sont pleines. Non seulement m'assurer qu'ils sont pleines, celles que j'ai besoin pour l'infusion. Le 13 constitué à l'Essentia. Mais aussi vérifier que cette machine-là. Qu'on tient plus rien. Je voudrais que les alambics soient vides quand je vais commencer l'infusion. Si jamais j'ai besoin de faire distiller d'autres choses, mais que ça soit disponible. Bon, c'est le grand moment. Toutes les affaires sont en place. Fait qu'on va partir ça. On va voir ce que ça va faire. Oh. Ah ouais. C'est quoi ça là? Bon là j'ai découvert qu'il fallait que je mette un enchantement sur mes Mundane Ring. Faut que je leur mette du runic shielding. Faut que j'en enchante une gang au cas où là. Au moins 5-6 là. Fait qu'on prend notre ring. On rajoute un petit morceau d'ambre. Il a fallu que je défasse toute mon affaire, évidemment, parce que ça prenait d'autres choses que j'avais pas pensé. Morceau d'ambre, puis un morceau de Salis Mundis. Je sais pas pourquoi j'ai pas le Salis Mundis, j'en avais tantôt. Ah, ici. C'est facile, c'est tout par, accessible par EMC, mais il faut quand même le faire. Ça. Puis on l'enchante ça. Ça marche. Ça prend du Paimontio, je sais plus quoi, là. C'est facile à faire. Paimontio, du Machina, puis du. Une autre patente, du Vitrius. Ça va rester very stable. Oups, non. Ouais, rien. Il en fasse plusieurs de même. Là. Bien! Je me suis infusé 4 rings de avec du runic shielding tier 3. J'en avais besoin de juste 2. J'ai un surplus au cas où. Là, je peux essayer. La machine part. Ah mon dieu. On peut surveiller que rien ne déconne.
Elle dit very stable. Ça, ça va bien. Ça va marcher un méchant à bout, tout à fait. Là, il faut surveiller comme faut. Elle me dit very stable. Il est probablement que les piédestaux, ça aide, les stabilisateurs. Ouais, c'est rendu 6 points quelque chose par cycle. J'ai récupéré toute l'eau. Il va y avoir du perdito là-dedans. C'est énorme, là. C'est la dernière fois que j'ai eu une infusion de malade dans Fire Domain, c'est dans Grand Skies quand j'avais fait un Oranod, là, tu sais. Avec le. Il y avait un mode spécial qui extensionnait Tomcraft, là. On peut aller du jour des airs, parce que ça donne, on s'adopte. Quand ça fasse kaboum. Le perdito s'est ramassé. Quand même, était assez long aussi à accumuler toutes ces essentials-là. Oh, oui. Oh! Il commence à me dire un peu. Il est encore stable, il n'y a pas de panique. Ça va se poser de protéger mes bestos. Il n'est pas supposé de me ramasser, de les affaires. Mais j'ai quand même tâché de mémoriser la configuration. Donc là, je peux recréer tous les items à part les rings. C'est sûr que s'il m'enlève, si je perds deux fois mes deux rings de spare, je vais tout arrêter ça et le faire, mais là, ça ne vaut pas la peine. Je pourrais j'en faire 50. Hein. Ça ne marche pas, là. Mon Dieu, as-tu vu la quantité d'énergie qu'il y a là-dedans? Là, il faut que j'enregistre tout. Check-back OBS va toujours tout me scraper ça. Là, je vais revenir. Ah! J'ai réussi à faire la chose. Ah, j'ai pas triché. C'est encore OBS qui a inversé. J'espère que non. Ce serait fun de l'avoir. Hey, ça s'en vient. On va peut-être l'avoir. Aïe, aïe! J'étais pas sûr. J'avais des gros doutes sur cette fusion-là. Je devais... Mais j'ai eu des doutes à Davoret tantôt quand j'ai vu le jeu qui fait que... Ah non, il va crasher, il a réussi à bugger. C'est un risque, hein. Toutes recettes modées, là, elle peut bugger. Surtout des recettes de fin de pack, comme sur le fin de chapitre. Ça c'est pour eux. Parce que c'est pas tout le monde, ça. Surtout dans Stone Block, Stonecraft est pas dans le même pack. Pas besoin de faire ton craft. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Donc, d'accord, ben là. D'accord, là, mon ring, oui, là, il est là. Ah, mon Dieu. Il a tout absorbé l'essentiel, là. Là, ça se peut que je l'aille, là. Il ramasse les solides. Oh! Il a ramassé le ring. Touche pas, il a right-click pas, là. Clique pas ça là. Il a ramassé les liquid death. Il vient de ramasser les encriers. Un petit robot. Ah! Allez! Wa-ta-ta-ta-ta! Moi j'avais Think Tank, ça c'est le. Je sais plus quoi, là, le. Brain Ajar. J'avais fabriqué ceci, la Liquid Death, l'autre fois. Ça va. Puis là, l'ultime cadeau, c'est celui-là. Gift. Oh, tabarouette. Ça me donne tout. Toutes les recherches que j'ai pas réussi à pogner, je les ai. Puis après ça, je peux ouvrir ça. This book contains nothing but. Yeah. J'arrive pas à le lire. Mais j'ai quand même réussi à avoir le fameux livre. Oh! Ah, ça déverrouille tout!
Il est en train de gosser ça. Là, il y a des capaciteurs, j'ai eu un cadeau. J'ai eu des Phantom Face, mets ça là-dedans. Ça, je peux ranger ça. Ah! Ah ouais, toute la recherche est en golem mobilité. Oh, c'est tout est là. Oh, on peut avoir des affaires en void. Eldritch Crab. Ah, oh, ouais! Ouais. Hey, puis je vais même pouvoir garder. Ah, non? Ouais, je vais pouvoir garder les Runic Shield. Je vais récupérer les buckets. J'ai tout le mode. J'ai-tu un EMZ ces buckets? Je me souviens même plus. Non, j'ai déjà fait. Bien. Je vais mettre ça en cinéma. Qu'est-ce que ça a donné tout ça? Relativement peu de choses, mais ça a complété toute la recherche. Donc, il y avait des bébites, dont certaines que j'ai jamais vues. Tomix Slime, The Peck. Il y en a probablement que j'avais. Les zombies, je les avais eus, mais je les avais jamais scannés. Là, on a toutes ces bébites-là. L'ouverture du livre, ici, ça l'a ouvert. The Crimson Cult. Il y a un livre, puis il y a un livre. Ça, c'est en cliquant sur le livre, parce que j'avais assez de recherche, là. Ça donne. On sait pas trop ce que ça donne. C'est supposé d'avoir. Ça permet de faire un rituel pour ouvrir un portail, mais le portail, on le trouve pas. Il y a la perle primordiale. C'est ça qui a été découverte. Mais j'ai trouvé aucune façon de la crafter, ni d'obtenir, à part par AMC. Fait qu'il faudrait gérer le Tome of Knowledge. Après ça, il y a le chapitre d'Eldritch que j'attendais depuis un bout. J'espérais finir par l'ouvrir, mais il n'y a pas grand chose là-dedans. On nous apprend qu'on peut crafter des Void Seeds. Il y a un Void Siphon qui semble. Je pense qu'il sert à ramasser des Void Seeds depuis une crevasse. Donc, on n'a pas de crevasse. On peut créer une armure spéciale qui va être en une infusion. On transformerait une Void. Ah oui, c'est ça. Il y a des affaires en Void Metal, mon Dieu. Ouais, c'est ça. Puis on peut créer une armure en Void Metal. Là. Il y a aussi un outil spécial ici, c'est un Primal Crusher. Refining One, puis Destructive. C'est un genre de pic, là. Fait que c'est ça. Puis tout ce qui est d'ailleurs, dans les autres chapitres, là, le golem ainsi par exemple, on a tout, là, toutes les modifières. Improve Golem Combat, Golem Manipulation. Il y en a un ici que j'avais pas avant. Metal Shielding, on peut faire des golems en void metal à cette heure. On a le droit de faire ça. J'ai ouvert ça. Il y a tout là-dedans. Toutes les Biatomic Mines. Il y en avait beaucoup que j'avais ouvert avant. Ah ici, celui-là, je l'avais pas ouvert, mais toi. Combat Seal. Control Seal Store. Control Seal Collect. Pour ça, si on revient ici. Ah, Arcane Infusion, il y en avait d'autres. Ah, ouais, il y a plein d'affaires qui s'allument. Ici, Eldritch Stone, ok. Si j'avais des pierres d'Eldritch, je pourrais utiliser ça pour faire certaines infusions. On peut. Il y a un Charm of Undying qui est nouveau. Je peux peut-être pas en appeler ça. Ouais, ça, c'est un Totem of Undying. Qu'on peut même pas crafter. Puis il faut l'upgrader avec une plaque de quelque chose, une plaque de brass. Ça fait un charm, mais il faut le totem qu'on a pour. Tome of Knowledge. Ça continue. Ça va être d'autres aussi. Il n'y a pas tant d'affaires que ça qui me restait à débarrer. Mais là, j'ai débarré tout. Avec ça. Ce qu'on ne pouvait pas faire dans aucun pack, à part un pack normal, là, ce qu'on peut se promener. Hein. Alchimie, ici, une fournaise spéciale. Il y a un troisième tier de fournaise alchimique. Elle est faite en void métal. Mais ça prend la perle primordiale pour l'obtenir. Fait qu'on peut pas l'avoir. On n'a pas la perle.
Il y avait des autres affaires, le Sanity Soap, c'est quand t'as plein de warp, tu peux te prendre un bain dans un spa des arcanes. J'avais jamais eu accès à ça. Battle Time, parce qu'il faut faire un Flux Rift pour avoir généré du Time. Tu sais que. Yo. Non, on ramène ici, il y a un troisième tier de focus qu'on a accès. Le Greater, on avait le Advanced avant. Il y a un Greater. Mais ça prend Nether Star plein de Primordial Pearl. On peut pas l'avoir. Puis, je pense qu'il y avait d'autres affaires que j'avais pas ouvert. Les focus medium, j'en ai un. Spell Bat, je sais pas ce que ça fait. J'ai un Cloud. Ça fait un nuage. Mais les effets sont pas super puissants. C'est ça, pour les focus. J'avais joué avec, ils sont pas énormes. Là. Puis fondamental, j'ai vu les bébites. Puis là. Ah, il y a la recherche sur les crevasses qu'on ne peut pas ouvrir dans Stoneblock. Puis ça, il y a une bombe spéciale qui permet de fermer ces crevasses-là. Mais je n'ai rien crafté ça, il n'y a pas de crevasses. Il y a une patente aussi pour créer, condenser le flux. Flux condenser, puis flux condenser lattice. Je pense pas le faire, ça vaut plus ou moins la peine. Dans un pack avec ton craft régulier, peut-être. Là. Alors, c'est ça. C'est je l'ai fini. Et finalement, je l'ai. Faites la fameuse grosse infusion de fou. Donc, c'est quoi la prochaine étape après ça? Là, on s'aligne vers le Tome of Knowledge. C'est ça. Ah, ce coffre-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va enlever. Là. Fait que là, il me reste. On va le briser. Là. Fait qu'il me reste deux rings. Avec du Runic Shielding. Je pourrais en mettre un. Bah oui. Pour avoir fait ça pour rien, ces rings-là. C'est accès quelque part où le mettre. Ah, faut que je sacrifie notre ring. Bah là. Ah, faut que je sacrifie. Angel Ring, mais non. Non, ça vaut pas la peine. Mon armure interstile, elle me protège probablement plus que ça. Ouais. Fait que. Allez, ça. Ah, c'est ça. Là, la prochaine étape, c'est pas probablement, ça va être d'aller dans Varicia pour essayer d'obtenir l'Infinity Armor. Puis avec l'Infinity Armor, aller affronter le Chaos Chicken pour avoir les dernières pièces que ça prendrait pour avoir accès au Tome of Knowledge. Fait que le Tome of Knowledge, là, ça. Tout ce qui est craftable par EMC, même si je ne l'ai jamais crafté, je peux le crafter. Mais probablement quand j'aurai le Tome of Knowledge, ça va être la fin du pack. Bon, à la prochaine.